L'ancien ambassadeur Souleymane Mohamed Mohamed. Monsieur le maire, déjà par la suite, ministre de la Santé à la suite, Madame, première dame à la suite, Kazazé, président Soumoujo, président Soumoujo. Akaribu kamisa kamisa na wasi na karibisa o wana rais karibu mkile harma sekwe tukufu karibu wana rais na mambo usimwambia na mane aisa awasil uraisi wa itaula baba mlezi anzal ansoman wana heri. Karibu bwana rais. Watukufu uraisi wa itaula ya Komor bwana Azali Osman Aisha akaribu kabisa kabisa na wasi Karim, Karim, Karibu, na mkaribu watukufu, e delegation, Nyalawa Gazija, Raisi tu, Yadungamana Vatima, na uraisi wa itaula, na bavo, Tekerezauka, Shiri Siketiliwa, Shaluga Kasiketiliwa. Misifanya distance, Shiri Siketiliwa, Shaluga Kasiketiliwa. Agor Simia, Rifali, Isikarikani Naimu. Shiri Siketiliwa, Shaluga Kasiketiliwa. Narkamadami, Bila Jardine, Narkari, Monsieur le maire,
Oh, président. Une cérémonie officielle. Ambassadeur, à votre tu es Isa,
Monsieur l'ambassadeur Suleymana Mohamed Ahmed. Il y a des colliers, il y a des drapeaux. Oui, en Érythrée, il y a une pierre. L'ambassadeur a fait un exercice. Je suis
président, on a fait un chéri de chahé, une longue cérémonie. Avant, on voit ma femme qui est là. Maintenant, le cas du président, Swalia et Baïti, en Souane, en Amoué Capitale, en Souane, en Tsarnatou, au stade de Missiri. Chers collègues, ministres,
honorable assistance en mouvant égalité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Souleymane Mohamed Ahmed, en ce troisième jour et premier vendredi du mois sacré et béni de Ramadan, nous sommes tous là pour toi. Nous sommes tous là pour te dire à Dieu, fil jannat inshaAllah. Tes qualités humaines, tes qualités professionnelles, le fait de rigueur, de respect, d'empathie et d'écoute et un sens aiguisé de la communication nous manqueront. Avec ta brusque disparition, le ministère des Affaires étrangères perd un pilier et le pays un de ses grands commis et serviteurs de l'État. Ta famille, tes proches et tous tes amis sont tous là pour te rendre un dernier grand hommage. Qu'ils soient fiers de ta précieuse contribution au développement socio-économique de notre pays et de son rayonnement dans le monde. La mort est la seule et unique chose qui soit sûre et certaine. Inévitable avec un contrat à durée déterminé, mais dont personne ignore le terme. S'éteindre et partir un jour et dans l'ordre de toute vie dès lors qu'elle éclot. Lorsqu'elle prend fin, nous remue, nous attriste et nous chagrine, c'est ce qui explique qu'elle n'a pas compris. Jamais on ne s'habitue à la perte d'un être cher, quand bien même nous tous savons que c'est incontournable de cette vie qui nous est si chère. L'ambassadeur Souleymane Mohamed Ahmed, qui vient de nous quitter en plein exercice de ses fonctions, était à la fois père, frère, cousin, grand-père, collègue ou ami de l'un d'entre nous ici présents. C'est un homme d'une grande humilité, d'une humilité qui tranchait fort avec son rang de naissance. Les nantis et les mieux lotis croyant toujours qu'ils sont au-dessus de tout. Oui, l'ambassadeur Souleymane Mohamed Ahmed, fils de l'ancien député à l'Assemblée nationale française et grand commerçant, aurait pu construire et vivre sa vie en marge du champ politique. Les biens publics ont été légués par sa famille, étant largement suffisants. Or, il aura passé toute sa vie au service de notre pays, en occupant plusieurs postes dans la haute hiérarchie administrative. Homme de grande culture, ces dernières fonctions qu'il vient d'occuper, ambassadeur des Comores en France, témoigne de ce long parcours engagé et fructueux pour notre pays qu'il a tant servi. L'ambassadeur Souleymane a donné le meilleur de lui-même, avec beaucoup d'abnégation, à la présidence de la République, au ministère des Affaires étrangères et s'est fait connaître à l'intérieur de notre pays à travers le programme FADC et ses réalisations communautaires. Je voudrais ainsi saluer la présence de son Excellence Azali Assoumani, chef de l'État et les autres autorités étatiques qui donnent à cette cérémonie toute sa dimension solennelle. Dans le même élan, vous me permettrez également de saluer la présence remarquable des cadres du ministère des Affaires étrangères venus de Moroni et de Paris pour un dernier adieu à leurs collègues. En ma qualité de ministre des Affaires étrangères,
Je suis très sensible à cette forte solidarité qui traduit cette mobilisation fraternelle à la mémoire de notre regretté Souley Mana. Cette communication signifie que les hommes et les femmes, cette communion, excuse-moi, signifie que les hommes et les femmes au service de notre diplomatie constituent une grande famille toujours unie, aussi bien dans la joie que dans la tristesse et les épreuves. Adieu, chers frères, repose en paix. Alhamdulillah. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la diaspora pour cette oraison funèbre en l'honneur de l'ambassadeur Souley Mana, mesdames. À présent, j'appelle Monsieur Ahmed Jaffa, au nom de Moutsamoudou, à prononcer son allocution. Chef de cabinet à la présidence. Souley Mana, AK
cas directeur général, ou approche la Banque mondiale et FADC, et quand même ça va plus chamani, il commence à avoir une foyer, à Iguilia, à Ione Lialada, à Ione Walada, à Isaïdia, à Msanda, à la Banque mondiale, à Msanda, à Ventia, à Ione de la Commo, et à Santa Bichaman, à Spagne. Suleiman a la main de la France, et c'est madame Jardia, l'ambassadeur de Brahman, à Rengia, l'ambassadeur de la Roi, à l'Asie, l'ambassadeur de Roi. Je dis à la dame, c'est comme Jardia, le Canada, le Maléo, et Nessé, Mahapa, le Sibambaï, Haïti Mania, le Sibarabiaba, ou à la Nia, le Sibarabiaba. Mais c'est comme Nia, le Sibarabiaba, la Mahabeti, la Sambouzata, à Roi, Asia. Mais on ne voit pas comme un homme. Dena kuza na hiyo kibaru kwa kwa sana mbari mwezi jemazo wapu watu zinjemazo mbili wakati ya zimangizu mwongowe ndenge kuswa yu wapu kufu rishuku nye idawu rishuku nye ifami ya sulema na mwamedami rishuku nye umuzwa mtsambu ne mla hiki uka madera wafanya hako umuzu unu na zasta hiki sipanishie hako kama unu wanashu mtsambu. Si je ne sais pas 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 Haltina, les familles Mohamedane, la honte de Estamos de cor de canasta.
Monsieur le Président, déjà, ça a décollé. Déjà. Le Président de la République a donc donné pour réagir au possible. L'ambassadeur Suleymane au rang de chevalier de l'ordre du Bras en l'air. Monsieur le Président, s'il vous plaît. De quitter la salle. Monsieur le ministre a soumis.
Président,
Oh,